Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau combat versus abonné. Aujourd'hui je joue contre Tsuyuko et oui la team ignoble est de retour. L'ignoble team avec Karchakrok, reflet, voile sable, poudre claire est de retour. Est-ce que je vais avoir à sortir mon Karchakrok dans ce combat? En même temps, bon, c'est un Pokémon qu'on sort un petit peu tout le temps. Et on est encore une fois face à une team disto. Et une team disto, oh, je suis surpris de ne pas voir de Gouroutan alors qu'il y a un... Dryol. Je suis surpris, Dryol on voit souvent avec Gouroutan. Mais en tout cas, il y a deux poseurs de distorsion. Ah, du coup, c'est un petit peu tricky tout ça. On va... Oh, j'ai envie de faire cette chose... Je suis désolé, j'ai envie de le faire. Ou alors, on pourrait envoyer Strassi et renverser la distorsion. Mais Strassi se fait défoncer par le Tarambule. C'est le problème. Ah ah! En tout cas, Karchakrok, à partir du moment où il place une disto, et il va. Karchakrok, il place une disto. Ça vient de sortir! C'est nouveau, Karchakrok, il place une disto. Non, s'il place une. S'il place une danse lame, il tue tout le monde en fait. Sauf le Tarambule. Du coup, il me faut des trucs pour tuer Tarambule. Du genre, l'éclair fou de mon. Mastouf. Et en dernier, on va prendre. Je sais pas. On va prendre nos satures, hein, j'ai pas tellement le choix. Je vais reprendre la même compo. Du coup, j'ai pas pris l'Euphorie et Strassi, qui sont 100 000 fois pires que Karchakrok, hein, je préfère vous le dire. Parce que l'Euphorie, en gros, enfin, vous faites partage garde entre Strassi et l'Euphorie. Ça veut dire que les Pokémon vont vous additionner. Enfin, les Pokémon vont chacun avoir la moyenne de défense des deux Pokémon concernés. Et du coup, l'Euphorie, même s'il a une défense très très basse, bah, sachant qu'il a des PV immenses et que Strassi, il a une très 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 grande défense. En faisant la moyenne de sa défense et de celle de Strassi, il obtient une très bonne, une bonne défense. Et sa défense spéciale, elle baisse pas vraiment. Du coup, il fait figure d'intuable. Surtout qu'il a E-Coq et en plus de ça, il tient la B-E-K pour augmenter sa défense quand il prend une attaque physique. Et en plus, il a Lilliput. Voilà, donc c'est absolument ignoble. En tout cas, le Porygon 2, il gagne en attaque spéciale, je vais y arriver. Et du coup, sur Laser Glass, mon Karchakrok meurt. On va switch le Gigalith pour Ossature parce qu'on a peur, évidemment, d'un close combat ou d'un Z-move combat sur mon Gigalith. Du coup, on va faire on va switch et on va faire reflet. Au final, je vais faire un petit peu la même chose que dans le dernier combat. Mais je vais pas switch pour le même Pokémon, tout simplement. Est-ce que ça va placer la disto? Je sais pas, sachant qu'il y a mon Gigalith sur le terrain. Qui est le plus lent hein, d'entre eux. Non, c'est un bluff. Non. Merde. Non. Bah remarque, j'ai toujours la poudre claire et voile sable, hein. On n'a pas évité le bluff, c'est dommage, hein. Si j'avais évité le bluff, hein... oh, vous imaginez? Vous êtes en face d'un Karchakrok, vous faites bluff, vous loupez bluff. C'est la pire attaque que vous pouvez louper, hein, vraiment. À cause d'une poudre claire, d'un truc comme ça. Bluff, c'est le pire truc que vous puissiez louper. Vraiment, c'est une horreur. On va faire bout de feu sur le Hariyama. Et oh putain, je sais pas si c'est bon plan. En fait, ce que je fais là, c'est bon plan si j'esquive une attaque avec Karchakrok. En gros. Sinon, c'est pas bon plan. Mais bon. On n'est pas là pour faire les bons choix. J'ai pas joué cette équipe. Oh, what? Mon Ossature est plus lent. Oui, je sais qu'il est... Enfin, il est minimum vitesse, mon Ossature, mais plus lent que le Hariyama. Je suis surpris quand même. D'accord. Je me rappelais pas, ok. Et le sabotage, il est pour Ossature. Oula, alors je pense que... Tsuyuko s'est trompé. Non, on esquive pas la Zerglace. Non, merde, on esquive pas la Zerglace. Aïe, 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 on a esquivé ni Bluff, ni la Zerglace. Je pense que Tsuyuko s'est trompé de Hariyama. Là, il a pas cran. Enfin, il a pas le talent cran. S'il avait le talent cran, il m'aurait dégommé mon Ossature. Et c'est garanti. Y a aucun doute là-dessus. Il l'aurait absolument dégommé. Sans aucun doute. Du coup, il a pas cran. Non seulement il a pas le boost, mais en plus il est pénalisé. À cause de la brûlure, du coup. Bon, par contre, on a perdu le. On a perdu la masse d'os. Mais du coup, sur close combat, j'ai pas tellement peur hein, de son Hariyama. J'en ai pas tellement peur. On va faire. On va refaire bout de feu. Et on va faire le Z-Move combat sur le Porygon 2 parce que je pense que sinon on le tuera absolument jamais.
Je pense pas qu'il fasse soin ce tour-ci. Je pense plus à Close Combat sur Gigalith. Je pense que là, Tsuiko, il est en train de s'en rendre compte. Hein. Il s'est dit, mais comment c'est possible que je fasse aussi peu de dégâts? Et là, il a vu son talent, il s'est dit, oh, j'ai Isogresse. Et ça expliquerait aussi pourquoi j'ai fait aussi peu de dégâts avec avec bout de feu. Enfin, c'est même sûr qu'il a Isogresse son Ariama. Il s'est trompé. Alors, s'il me fait façade, je comprends plus rien à ma vie, bien sûr. Mais voilà, ok, attaque Z. Enfin, je vais me baisser pour la miniature, on sait jamais. Ça peut être utile. Et oui, on va écraser le canard. C'est pas mal. Je pense qu'il a porté de chaos de lame de roc, je pense. Bon, par contre, j'ai plus la masse d'os, hein. Donc, on va faire moins de dégâts que juste avant. Et oui, on a fait moins. Le sabotage, il est pour. Ok, il y a un deuxième sabotage pour sa tueur. Ok, avec les dégâts de recul, il est mort, mais sinon, il n'aurait pas pris le chaos. Laser glace. Ok, il a pas fait soin. C'était ma plus grande crainte. Alors, j'ai peur du gel aussi. Ok, il n'y a pas le gel, tant mieux pour moi. La brûlure ne suffira pas, non. La brûlure est énerve hein, avec la 7G, hein, je le rappelle. Alors, Ariama meurt à la fin du tour. Ah ouais, mais il va peut-être vouloir aller chercher mon... Non, je sais pas. Il est pas allé chercher mon Gigalith. Avec son Ariama. Il a peut-être rien d'autre pour aller chercher mon... Mon sa tueur, hein. Il y a peut-être rien d'autre que sabotage. Il doit avoir tonnerre laser glace du coup ce Porygon 2. Du coup il me fait pas peur le Porygon 2. Mais s'il fait soin je le tuerai jamais. C'est le problème, il faut que je le tue ce tour-ci. Mais le Ariama est brûlé. Donc il meurt à la fin du tour. Non non mais il m'inquiète pas le Ariama. On va faire abri avec attendez il reste combien de temps de combien de tours de tempête sable 2. Ok tour suivant il profite encore de son boost. On va faire lame de roc sur le Porygon 2. Et on s'abrite avec avec Mastouf. Si ça fait close combat sur Mastouf, évidemment, on sort le champagne. Sinon, c'est un peu plus embêtant. Lame de roc ne loupe pas. Très bien. Vous imaginez bluff et laser glace qui loupe pas. Et moi, je loupe mon. Et moi, je loupe mon. Ma lame de roc, ça aurait été horrible. En tout cas, close combat, il partait bien dans l'abri. C'est parfait. Et du coup, on est en 2v2. Avec mes Pokémon sont presque full vie. Il y a encore un tour de tempête sable, donc on va pouvoir profiter de après vous. Donc ça c'est cool. Il y a qui mince, j'ai oublié de faire le screen de sa team. Du coup je sais plus ce qu'il a dans sa team. Ok Dryol, je vais y arriver. Et ah ça c'est un problème hein, bien sûr. Le Tarbule. Oh non. Il a ciel gris. C'est pas vrai. Il y a encore un tour de disto. Ah bon, il faut en profiter. Il y a encore un tour de disto. On va faire laser glace. Ah mais je suis con, c'est le plus rapide, donc ça change rien au final. Ouais, on s'en fout. Et lame de roc. On va faire j'ai dit laser glace, je crois. Non, crochivre sur le dryol et lame de roc. Ça s'abrite, ok. Bon, tour suivant, on fera après vous, hein, du coup. Et oui, hein, la lame de roc qui va partir dans l'abri, bien sûr. Écosphère. Ah mais du coup, vu qu'il a ciel gris. Bah oui, vu qu'il a ciel gris, il tient pas compte de l'augmentation de défense spéciale. J'avais pas pensé à ça. Oh merde. Bon, en même temps, je pouvais pas faire autre chose avec mon Gigalith. Oh. Oh, c'est un crit. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Là, ce que Tsuyuko ne sait pas encore, c'est que Mastouf, il a éclair fou. Oh non, le coup critique est tellement décisif là. Enfin, si je fais le KO, mais je vais le faire, je pense. J'ai l'orbe vie. Oh non, 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 on va mourir sur une aquabrèche. Non, j'aurais dû faire un crochivre avant pour être safe. Ah oui, non, d'accord, carrément Z-move. Z-move, je pense qu'il faisait le KO en un coup de toute manière. Il sait le KO en un coup de toute manière. J'ai pas d'invest défensif. Ça tape tellement fort, Z-move de Tarambule. Laisse tomber. Ah non, donc dans le coup critique n'aura pas suffi, hein, du coup. Ok, dommage. C'était drôle en tout cas. Alors si je meurs pas, c'est incompréhensible. Ok. Il s'était trompé de talent pour Ariama. Je me suis dit, peut-être qu'il s'est trompé de talent pour Tarambule. Malheureusement pour moi, non. Pour Tarambule, il s'est pas trompé de talent. Il a bien Aquabule ou je sais pas quoi. Enfin, rien, vous connaissez le nom de son talent français. Moi, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, GG à Tsuyugo. C'était serré hein, finalement. Hein. C'était serré. Alors qu'au début, c'était mal embarqué. Puisque mon Karchakrank avait pas esquivé les attaques. Mais
Mais j'avais réussi à bien monter, mais ça n'a pas suffi pour autant. En tout cas, GG à Tsuyuko. C'était bien marrant quand même. Hein. C'était bien marrant. Est-ce que j'aurais pas dû conserver le Z-Move pour le Tarambule? C'est compliqué à... Non, parce qu'au final, je suis mort, hein, que ça change rien. Hein. Enfin, mon Écosphère a tué mon Gigalith. Mais je savais même pas que Drayol apprenait Écosphère. Hein, parce que Drayol, on le voit souvent avec Dracométéor, Mégaphone, Lance-Flamme. Et abri, mais on le voit jamais avec Écosphère, donc très surpris. Et bah là, ça a fait la diff, hein, mine de rien. C'est vrai que c'est un bon contre un Gigalith, finalement, hein, parce qu'on ignore le boost de défense spéciale. Donc paf, l'Écosphère, tu vas la prendre pleine gueule, pleine puissance. Et du coup, bah ça a donné la victoire à Tsuyuko. Bravo à lui encore une fois. Du coup, je vous dis rendez-vous mardi prochain, la semaine prochaine. Nouvelle équipe, elle sera pas horrible comme ça, vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est une équipe que vous avez peut-être déjà vu, dans des compétitions aux États-Unis, vous allez comprendre, puisque vous verrez ça. Non, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez ça mardi prochain, mais c'est une team qui méritait d'être dans les combats versus abonnés. Vous avez peut-être déjà compris de quoi je parle. Rendez-vous mardi prochain pour le prochain versus abonnés. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ce combat vous a plu. À la semaine prochaine pour les prochains combats. Salut tout le monde.